Allez-y, mettez le paquet aspirant. Dites-lui quelque chose de bien compromettant. Ça me gêne, moi. Mais qui c'est celle-là? Rouille-toi, mon piquet chéri, on va rater l'avion. Je ne sais pas, mais j'ai jamais vu ce monstre de ma vie. Je t'aime, Jean-Jacques Gagnowski. Je t'aime, tu es l'homme de ma vie. Oh, mais il est Attendez, là, il y a une erreur. On est fonctionnaire, on peut pas être licencié. Ben non. Quoi, ben non? Ben non. Ben on est fonctionnaire. Ben non, on n'est pas fonctionnaire. Non, écoute, Cathy, je travaille à l'agence pour l'emploi depuis 10 ans, je suis fonctionnaire. Mais je travaille à l'agence pour l'emploi, mais on n'est pas fonctionnaire, non? Non. Ben enfin, si, on est fonctionnaire. Non, on n'est pas fonctionnaire. Mais c'est pour travailler à l'agence pour l'emploi, on est fonctionnaire. Ça va pas, Thierry, on est employé. Regarde dans les statuts, c'est pas dans les statuts. On est des employés comme les autres, on peut être viré comme tout le monde, on est rien dans la société, t'as pas compris? J'ai toujours cru que j'étais fonctionnaire. Normal. Toute la journée, on traite d'enculé de fonctionnaire, t'as fini par le croire. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Appel à tous les postes fixes et mobiles. Il y a lieu de rechercher un véhicule appartenant à la préfecture de police. Le Peugeot 806 de couleur blanche. Ils sont pas contents parce qu'on leur a piqué de bagnole, c'est eux pour commencer. Si on reste dans cette chiotte, on est en tôle dans 5 minutes. C'est con parce qu'elle est bien celle-là, pour brûler les feux. Tiens, regarde. Ok, t'énerve pas, je vais en piquer une autre. Les mains en l'air. Je faisais rien de mal. C'est ma voiture, j'ai perdu les clés. Descends cette voiture. Et voilà. C'est pas facile. Voilà. Les mains sur le capot. C'est moi, n'aie pas peur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai piqué une autre. J'ai eu des petits soucis avec les flics, mais ça va, ils dorment. Je te dis qu'il faut se débarrasser de cette bagnole de flic et tu m'en ramènes une deuxième. Mais c'est pas la même. Oui, là, c'est grave. Allez, on y va. Je ne veux pas monter dans une voiture de flic, bordel de merde! Ok, t'énerve pas surtout, c'est pas bon pour toi. Pardon, messieurs, la rue Violette, s'il vous plaît. À mon beau-fils, il faut changer l'eau du crocodile, c'est une infection. Ah, je sens rien, moi. Non, pourtant, j'ai installé l'évacuation des eaux usagées comme on le fait tout le temps. C'est bien ça le problème avec vous, à mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, on a tout le temps fait comme ça. J'admets que sur les deux, vous seriez plus à l'aise. Mais bon, trois, c'est trois. C'est pas toi. Vous n'aimez pas les noix? Au contraire, j'adore tout ce qui est fruits secs. Raciste. Connard. J'étais le manager du Buffalo Grill sur la rocade de Pau, sortie sud. Entre Cure Center et la halle aux chaussures. Alors, fort de cette expérience, j'ai entièrement restructuré le camping à l'américaine. Les tentes et les caravanes sont maintenant à Beverly Hills, dans la partie sud du camping. Beverly Hills? Ouais, on est surtout au bout du camping, côté de Water. Je demande qui est cette femme qui m'a appelé. Pardon? Mais oui, je m'étais réconcilié avec Lolo, et puis cette grosse que j'ai jamais vue de ma vie m'a interpellé d'en bas. Je comprends rien à votre histoire. Mais dans la rue, devant votre camion. Ah, pas vu. Pas vu? Mais c'est impossible, à moins d'être aveugle. Elle est énorme, c'est un monstre. Ah bon? Imaginez le cul d'un éléphant, ça s'oublie pas, ça. Et ben là, c'était pareil. Y a quelqu'un? Arrêtez de parler, ça va vous fatiguer. Traditionnellement, on ne montre jamais la robe avant le mariage. Il paraît que ça porte malheur. Enfin, nous avons choisi l'église. La cérémonie aura lieu à Sainte-Ernestine de Louvois. Oh, la bonne nouvelle. Ça va, nous avons un petit problème. Le 19 ou le 26? C'est à vous de choisir, Didier. Ça, c'est un coup d'eau qui fait déborder le vase. Ça va mieux, là, déjà. Voilà. Et
dernier. Attends, bouge pas. Il est dur. Et qu'est-ce que t'as? C'est trop serré, non? C'est trop serré, il faut le retirer. Faudra un tournevis ou un truc pour faire levier, tu vois. Papa, je te préviens, si tu les abîmes, tu les paies. Oui, non, c'est rien, ça va. Mais t'es con, t'es con. Oh, bah, elle va s'y faire. Voilà, oui. Je préférerais parce que sinon on va foutre en l'air les chaussures. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas les garder au pied comme ça. Et puis petit à petit, le mollet va se rétracter, puis tu pourras les enlever facilement. C'est que il faut faire des bébés avec elle. Oui. Oui, ouais, j'ai pas envie. Pardon? Non, parce que elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. C'est alors que toi, t'es moche, puis t'es con. Tu vois, enfin, vous êtes con, quoi. Mmh. T'es très con, je te le dis. Quand tu dis les rastaquaires, les machins, je supporte pas, quoi. Je te le dis gentiment. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Oui, je crois que je commence à comprendre. Vous avez vu, Didier? Ah, pour une fois, t'es moins con que t'en as l'air. Mais je crois qu'il faudra remettre à plus tard cette conversation. Ah, plus tard, ouais. Mais si il trouve que la robe est trop longue, on peut parfaitement faire un ourlet. Ouais, ben c'est pas la question. Elle est très con, elle aussi. Et puis d'abord, tais-toi. Et toi, arrête de chialer. Et fous-moi le camp. Et en plus, vous fumez. Ouais, parce que j'ai pas ma seringue. T'as pas du shit. J'ai l'impression que tu me fuis. Pas du tout, je fais mes courses et tout. Elle est sympa la promo sur les petites saucisses. Elles sont délicieuses, ces petites saucisses. Bon, ça suffit, l'Apollo, hein. On va arrêter les pêches à l'arrêt, les petites saucisses et compagnie. Par la dignité. Ta gueule ! Hein ? Tout ça, tout ça, nous, là, j'aurais jamais cru que tout ça arrivait. Monsieur Lam, c'est la fête. C'est pourquoi ? C'est parce que finalement, j'ai un petit blème pour pioter ce soir. Alors, je vais savoir si c'était possible de me loger, quoi. Foutez-moi le camp avant que j'écrase dans cette petite gueule de petit merde. Ouais, y'a un blème. Y'a un blème. Attends, Choupette. Bah. À la vôtre, hein. C'est. Santé. Merci, hein. Puis bonne chance, surtout. Ah, vous chansonnez. Santé. Allô? Est-ce que Paul André est là? Oui, j'attends. Mais dites donc, vous gênez plus, vous? Non, non, je ne peux pas rappeler, là. Je préfère attendre. Merci. Monsieur Pierre? Oui. Je voudrais vous demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore, Josette? Je voudrais garder les coquilles d'huîtres. C'est pour faire des cendriers. Oh, mais bien sûr, Josette. Je vous les donne. Mais tiens, tenez, Josette. C'est mon cadeau de Noël. Oh, c'est vrai, Monsieur Pierre? Pas des temps, ça me fait drôlement plaisir. Vous savez, Josette, c'est rien. Quand on peut faire plaisir et puis que ça débarrasse. On se fait la bise. Allez. Paul André ? Allô, ABB ? Bonjour. Excusez-moi d'être direct, mais j'adore les Arabes quand ils sont beaux. C'est gentil, madame, mais je suis pas intéressé. J'aime quand on me résiste. Moi aussi, je dis souvent non. Et quand je dis non, ça veut dire oui. Oui. Deux boules, c'est combien ? 16 francs. Une boule, ça ira. Tu as 8 francs ? Ah non, là, j'ai pas de monnaie. Vous avez de la monnaie ? Sur combien ? 500. Pardon ? 500 francs. Oui, oui, monsieur. Voilà. Merci. Nom de Dieu ! C'est difficile de ne pas avoir envie de partager de tels trucs avec un ami. Ta gueule ! Ralenti, on vient de raser ce type à un cheveu. Ah, pas vu. Ah, mais bah lui, il a dû nous voir passer. Tiens bon, Henriette ! Tiens bon ! Tu vas arrêter de me faire chier! J'en ai marre de toi! J'en peux plus! Mais qu'est-ce que c'est ta mère, lâche-la! C'est pas ta mère, c'est un homme!
C'est des faux seins. Ah, c'est pas des faux seins. Oh, fils de pute. Oh, Claire, mais c'est qui ce type? Nathalie, tu viens de coucher? J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Je vais dormir comme une masse.